Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte. Non, il ne s'agit pas d'un test à proprement parler, car il s'agit juste du contenu additionnel du deuxième, plus précisément le deuxième DLC, qui nous a été filé avec le jeu Monster Hunter sorti en début d'année 2018. Celui-ci, nous présente le deuxième nouveau monstre ajouté à Monster Hunter World. Il s'agit du Kul'Vtaros. Et donc du coup, sans plus attendre, je suis obligé de me dépêcher. Je vous montre donc du coup directement la mission qui concerne justement ce monstre aussi appelé la déesse mère d'or, comme vous pouvez le voir avec son armure en or. Nous aurons trois phases et ce gameplay, je l'espère, pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, va pouvoir du coup vous montrer de quoi il en retourne et quelles sont les stratégies à adopter durant les différentes phases de capture, enfin de capture, c'est un bien grand mot, pour combattre le Kul'Vtaros. Donc voilà, au début, nous sommes donc du coup face à ce monstre dans une arène qui lui est propre, donc un nouveau territoire qui a été ajouté avec ce DLC sorti le 19 avril 2018, autant préciser la date pendant qu'on y est. Nous avons donc du coup dans cette première phase plusieurs canons et un chemin qu'il va emprunter de façon aléatoire en fonction des blocus en fait naturels qu'il y a sur le chemin. En fait, certains éboulements par exemple pourraient empêcher le Kul'Vtaros d'avancer à droite et va forcément du coup prendre le chemin de gauche, etc. Donc c'est à nous en fait de lui faire une sorte de chemin pour qu'il y reste le plus longtemps possible. Et qu'on puisse vraiment lui mettre sa race avec les canons, parce que croyez-moi que des attaques au corps à corps, ça fait pas si mal que ça quand son armure en or est encore solide. Pourquoi je dis encore solide? Parce qu'à un moment, elle va s'amollir. Et là, par contre, la technique sera complètement différente. Là, je suis en train donc du coup de remplir le dernier canon, car c'est là où le Kul'Vtaros va forcément passer pour passer dans la deuxième arène qui lui est dédiée dans ce DLC. Donc voilà, première phase, il y a des canons un petit peu partout. Ouais. Bon, du coup, il est en train de creuser, il se dirige vers moi. Vous avez toujours les grappins avec les insectes auxquels vous pouvez vous accrocher pour vous servir du coup de... vous servir de prise pour votre grappin. Et merde. Si déjà je me chie. Donc voilà, petite précision, pour ceux qui ne savent pas, 14 classes dans ce jeu, j'incarne, comme pour mon vidéo test de début d'année sur Monster Hunter World, j'incarne un joueur pouvant manier l'insectoglaive, mais le gameplay, je vous en parlerai quand on va vraiment se fight par terre, tout simplement. J'ai eu un petit souci, je crois que maintenant je suis RC38, j'ai eu un souci en changeant de console, j'ai perdu mes données. Donc voilà, pour information, pour ceux qui connaissent bien... du coup, il passera pas par mon chemin, il va de suite aller à la sortie. Le PNJ a parlé, je vais l'attendre. Donc du coup voilà, de base j'étais RC80 et quelques, donc voilà, vous avez entre guillemets le gameplay d'un joueur RC80, même si je ne suis que 30 et quelques. Oh merde, il y passe. Utilisez mes canons les gars. T'es sérieux, il a tiré que maintenant? Oh, génial quoi. Alors, 5 boulets, combien il va en prendre? Il ne prendra pas les 5, ça c'est sûr, il va trop vite. 1, 2, 3, 4, 4 sur 5, ce qui est le maximum qu'on puisse lui mettre quand il fuit vers la deuxième zone. Donc voilà, les dégâts lui font perdre du coup des éléments de son armure. Et durant cette phase de combat, en fait, le monstre ne peut ni être capturé ni tué. Et donc il lâche en fait du stuff au fur et à mesure que vous lui mettez des dégâts dans la tronche. Donc pensez à chaque fois qu'il change de zone à récupérer tout ce qu'il a pu laisser tomber, ça vous servira pour le craft. Et ensuite je vous parlerai comment débloquer les fameuses armes qui proviennent du Kul'Vtaros. Mais ça je vais vous en parler à la fin. L'insectoglaive, qu'est-ce que c'est? Donc là je vais me répéter, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, vous voyez, j'ai un petit insecte que j'envoie sur différentes parties du corps en fait, et quand je touche la tête, les pattes ainsi que la queue du monstre, mon insecte me rapporte trois couleurs différentes que vous voyez en haut à gauche, qui brillent le 1, 2 et 3, rouge, blanc et orange. La barre verte, c'est ma vie, la barre jaune, l'endurance, la petite épée bleue, c'est la durabilité, le tranchant de ma lame, pour être plus précis, et ces trois couleurs, en gros, me permettent d'avoir un multiplicateur de dégâts à chaque fois que je frapperai avec l'insectoglaive.
L'insectoglave, c'est surtout rester en l'air pour donner des coups. Ah, la carapace s'amollit, du coup on va pouvoir lui mettre plus de dégâts dans la tronche. L'insectoglave, en fait, comme j'ai envie de dire, en fait, même si je suis un fervent défenseur de cet équipement, vu que c'est mon préféré, tout simplement, je suis main insectoglave, j'ai envie de vous dire que c'est un peu l'équipement du lâche, parce que vous restez souvent en l'air et vous ne vous faites quasiment pas toucher, ce qui fait que c'est une classe qui est, entre guillemets, assez facile pour survivre, mais qui est l'une des plus complexes à jouer dans le jeu. Tant que vous touchez votre adversaire avec votre dernier coup d'insectoglave, vous munissez d'un dash supplémentaire qui vous renvoie dans les airs et vous pouvez continuer de frapper indéfiniment, tout simplement. Donc on s'écarte, on va aiguiser. Voilà qui est fait. Donc voilà, nous sommes actuellement du coup dans la deuxième étape, les canons c'est terminé, là c'est les premières phases de shoot, et nous devons lui mettre le maximum de dégâts dans la tronche. Les dégâts, ça marche effectivement. Merde, j'ai plus mes couleurs. Il va falloir que je me les... Hop, la patte, la queue, et la tête. On va chercher la tête. Oh, putain. Allez. Yes, voilà. Donc voilà, et la deuxième étape, donc du coup, comme on lui met des dégâts et que son armure s'amollit, c'est que, bon, justement, il prend des dégâts et il passe dans une nouvelle phase, et c'est... Ouais, si on pourrait parler d'une nouvelle strat qui s'enclenche, parce qu'il a de nouvelles attaques, en fait, quand son armure, eh bien, s'amollit ou qu'il perd tout simplement de la vie. Arrivé à un certain stade de PV enlevé, comme n'importe quel boss de RPG, son armure... Enfin, pardon, ses attaques changeront. Oh putain, il s'est mis à rouler. C'est que je le farme tellement là pour avoir les armes, à vrai dire n'importe quelle arme maintenant existe dans le style Kul'Tharos, mais pour ça il faut forcément le buter pour avoir de très très bonnes armes, car vous pouvez en avoir, mais après si elles ne sont pas sublimes, comme il est dit dans le jeu, si c'est juste de simples armes fondues, elles n'auront pas la rareté et l'épicness nécessaire pour vraiment faire partie de votre stuff. Vu que le Kul'Tharos est une extension qui n'est jouable que quand vous avez fini le jeu une première fois et que vous accédez au mode expert pour refaire tous les monstres et que vous avez terminé en mode expert. Ce qui fait que quand on se bat contre un Kul'Tharos, on est généralement... Bon ben, on est obligé déjà d'avoir fini le jeu. Et on a généralement un stuff qui est pas trop dégueu, quoi. Ah, il y a des petites bestioles, là. Ça, là, faut pas trop s'approcher des espèces d'autochtones, ils vous chargent à chaque fois quand vous restez trop statique. Donc il va dans sa troisième salle, à savoir que là, il sera impossible pour nous, mes trois compères et moi, de lui faire tomber ses cornes. Une fois que les cornes sont tombées, c'est comme si en gros vous l'aviez buté, parce qu'il vous lâche le loot le plus important, soit ses cornes à dépecer. Il a essayé de les aveugler, ces petits trucs. Oh mais ça marche en plus! Je savais même pas que les autochtones pouvaient les aveugler. Comme quoi on en apprend tous les jours avec Monster Hunter. Du coup voilà, là on va aiguiser, on va prendre la boisson fraîche parce qu'il est dans un lieu avec de la lave. Et donc comme je disais avec mes trois compères, on va pas pouvoir lui faire tomber ses cornes parce qu'on est, en gros quand on lance cette mission la première fois, on est dans ce qu'on appelle une zone de recherche, en gros, de niveau 1. Donc là en gros on l'attaque pour faire des recherches, on récolte des données en récupérant ces fragments qu'il fait tomber au sol. J'ai pas envie qu'il me focus parce que je perds ma vie très vite quand même. L'insectoglave, tu te fais pas toucher souvent, mais après t'es très squishy. Faudrait lui faire tomber ce gros rocher sur la tête. Donc du coup voilà, on récupère des données, et une fois que notre niveau de recherche est assez haut, quand on relance la même mission, c'est quand on a un niveau de recherche assez haut que le Kul'Tharos peut se mettre dans sa nouvelle forme. Enfin non, pas forcément, on peut le faire s'enrager, mais... putain... Oh putain, il s'est mis à tourner le bâtard. Ah, je l'ai pris. Oh là là, je vais crever. Soigne-toi. Donc voilà, parce qu'en fait, il a encore sa robe d'or, mais il peut s'enrager et perdre sa robe. Allez, le 1500 dans la gueule. La violence, parfait. On se heal et on y va, on récupère les couleurs. Du coup, voilà, une fois qu'on lui fait perdre sa robe, il part, il est dans sa dernière phase, en fait. Il est très très agressif, mais ça ne suffira pas en zone de recherche numéro 1. Tant qu'on n'a pas récupéré assez de données sur lui, bah, il va pas nous lâcher ses cornes. C'est quand on atteint à peu près le niveau 3, 4, 5 ou 6. Il n'y a que 6 niveaux max. Et une fois que vous avez enfin les cornes,
peu importe le niveau de recherche auquel vous êtes, vous redescendez à 1 et vous êtes obligé à nouveau de refarmer la mission. Oui, bah, c'est un jeu Jap, forcément, le farming, ce serait pas un jeu Jap sinon, forcément. On va continuer de le buter. Je sais qu'il y a des rochers là, qu'on peut lui faire encore tomber sur la gueule, donc 1005-1005, on peut lui mettre un 3000 encore dans la tronche, hein, et ce serait pas négligeable. Faudrait qu'en fait il me focus à moi. Je vais mettre voilà, le diffuseur de vie. Comme ça, ça va peut-être faire venir mes collègues. S'il se prend le jet de lave, il se prend des 300 toutes les 3 secondes. Et ça, c'est pas mal aussi. Le geyser de lave, c'est plutôt cool. Donc là, on est deux sur le même point. Il va quand même venir, là. On est même 3. Ouais, ça y est. Là, il est obligé de nous focus. Non, là, il va cracher. Non, il fonce. Et il roule, le bâtard. Le bâtard, le bâtard. Aïe, aïe, aïe. En plus, je suis dans la lave, je perds de la vie. Ah, il est pas dessus, hein. Putain, allez, va dessus. J'envoie mon insecte et après, hop, ça tombe. Allez. Yes! Parfait. Ah mais attends, il n'y a plus le second. Il s'est pris les deux? Je sais pas s'il s'est pris les deux. Bon, au minimum, il s'est pris 1005. Dans le meilleur des cas, il s'est pris 3000. Donc c'est parfait. Donc là, on a utilisé dans cette arène-là, dans lequel le Kul'Tharos va pour nous combattre, on a utilisé tous les éléments destructibles qui pouvaient nous être proposés. Ça y est, il est enragé, il a perdu sa robe, là il est beaucoup plus rapide car il est moins ralenti par cet énorme amas d'or qui était collé à son train. Et il est beaucoup plus classe. Une fois enragé, il accède à la quatrième zone du jeu, et cette zone n'est accessible uniquement que quand il est enragé. Voilà, là il a fait fondre carrément la roche avec son... Avec son souffle méga brûlant. De là, pouvoir faire fondre la matière, c'est que ça doit être bien chaud. Entre temps, voilà, le combat, il a perdu certains, pas organes, mais certains composants de son armure. On peut dépecer, c'est là qu'on peut récupérer de très belles choses. Si vous tombez de suite d'ailleurs sur ce gameplay découverte du DLC 2 de Monster Hunter World, je vous conseille vivement d'abord de regarder le test de Monster Hunter qui est disponible, ou directement sur ma chaîne si vous le regardez depuis ma chaîne perso, ou sur la chaîne de consolefun.fr. Les deux, ils sont sur les deux. Il m'a pris mes pleins fers le bâtard. Vu le temps qu'on met, ça m'étonnerait, donc du coup, bon, je pense pas, de toute façon, en niveau de recherche 1, j'ai jamais vu quelqu'un terminer le Kul'Tharos en recherche 1, hein, donc il va forcément s'enfuir au bout d'un moment si on met trop de temps à le buter. Et si c'est le cas, je ferai un cut, je scindrai ma vidéo, et je reprendrai au passage pile poil où est-ce qu'on peut le terminer avec un niveau de recherche suffisamment élevé. Quand je vous en parle, le niveau de recherche, ça peut peut-être paraître abstrait de la façon dont je vous l'explique, mais en gros, dites-vous qu'à chaque fois qu'on récupère des petits objets sur le sol, quand on revient à la base principale du jeu, eh bien en gros, votre niveau de recherche monte. En fait, c'est une barre, comme une barre d'XP qui montrait, et genre, récupérer une écaille, c'est 10 points, etc. Et sur certains, au bout d'une certaine marge de points atteinte, ben, la barre passe du niveau 1 à 2, etc. Et dès qu'on est au minimum à 3, là, la mission, une fois lancée en mode 3 ou plus, nous permettra de buter le Kul'Tharos. Évitez aussi la pluie de lave, hein, parce qu'après, vous avez des fragments qui vous tombent dessus. Non seulement vous bénéficiez après du malus brûlure pendant un certain temps, et ça c'est chiant, et après votre vie, ben, elle dégringole, hein, forcément. Surtout si vous jouez une classe squishy comme les arbalétriers, ou les archers, ou même l'insectoglaive comme moi. Oh là là, les coups de queue, ça j'avais oublié. C'est vrai que ça c'est sa nouvelle attaque quand il est enragé. Si on est derrière, il peut nous donner des coups de queue. Il ne remue plus maintenant. Enfin, il ne tourne plus sur lui-même. Hop. On se remet toute la vie. J'ai perdu mon endurance aussi. J'espère que... Voilà. Je vais faire avec. Je me mettrai une ration plus tard. Hop. On continue, on va profiter des trois couleurs. Ah merde, j'ai plus mes trois couleurs.
Yes! Quand vous n'avez plus vos trois couleurs en tant qu'insectoglève, si vous faites triangle au bon moment au niveau sur une partie du monstre sur laquelle vous pouvez l'escalader, la tête, le dos ou au niveau de la queue, tout personnage pouvant virevolter dans les airs grâce à son stuff peut grimper sur le monstre. J'appuie sur la touche pour ne pas perdre trop d'endurance pendant qu'il fonce dans les murs ou autre. Je peux continuer à le taper jusqu'à que ma nuée de coups s'enclenche. La nuée de coups, c'est bon. Et dégage. Voilà, il va tomber par terre et pendant quelques temps, du coup, il va être inactif au sol. Et là, on peut lui mettre sa race. Moi, je récupère mes couleurs parce que sinon, ça sert à rien que je tape sans mes couleurs. Et là, on peut y aller. Et là, vous voyez du gameplay au sol d'Insectoglève. Et c'est assez sympa, hein, mais nous, après, à l'Insectoglève, on peut pas se permettre de donner tous ces coups assez puissants au sol, parce que nous, il nous suffit que de 2-3 coups. Quand vous êtes en mode Berserker avec des grosses épées, ou des morpho-haches, ou... voilà, enfin, c'est juste ouf, quoi. Putain, je crois qu'il m'a... Putain, il m'a focus. Alors n'oubliez pas, dans Monster Hunter, quand une squad de 4 meurt 3 fois maximum, c'est le game over. Donc vous pouvez crever 2 fois, mais attention, le troisième qui va crever fera perdre toutes les squads et vous allez tout perdre, en gros, tout ce que vous avez récupéré au sol, etc. C'est fini pour vous. Ouh là 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 là. On continue maintenant qu'on a toute notre vie. Après, faut pas avoir peur, hein. Faut y aller. Faut pas hésiter. Bon, après, si là je vous permets d'hésiter un petit peu quand ça vous arrive. Putain, mais quelle horreur, quoi. Après, je peux comprendre que c'est le genre de jeu qui ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Qu'est-ce qui fait cracher toutes ces flammes? Tu crois que j'en ai peur de tes flammes? Je vais sauter par-dessus tes flammes et je viens te trouver. Voilà. Tes flammes doudounes ne m'impressionnent pas, Balrog. Besoin de citer la référence, je pense que vous avez compris. Oh bordel, à chaque fois je suis mal placé, hein. Il fait retomber ses pattes avant sur ma gueule, c'est une horreur. Ok, il y en a un qui s'est évanoui, génial, on n'a plus que 2 chances. Ouais, donc comme je disais, ouais, c'est un jeu qui peut peut-être ne pas plaire à tout le monde parce que c'est non seulement du farming et c'est des combats très très longs. Vous voyez, les coups qu'on donne, ils dépassent jamais généralement 100 parce que c'est déjà énorme de mettre 100. Vous voyez, les dégâts élémentaires mettent 1005 dans sa gueule. Alors imaginez le nombre de PV qu'il a si on y est encore dessus. C'est juste qu'en fait, il faut aimer les combats assez longs, épiques, avec les musiques derrière qui sont toujours aussi sublimes. Mais après, je peux comprendre que pour les plus impatients d'entre vous, c'est pas un jeu qui... Enfin, ça va vous en toucher une sans faire vibrer l'autre, quoi, clairement, ça c'est sûr. Mais bon, après, moi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, et si vous n'avez pas encore pu tester ce DLC, il est inclus dans le jeu gratuitement, tout comme le premier DLC qui nous foutait le Devil Joe, l'un des monstres emblématiques des précédents Monster Hunter. Le Devil Joe et le Cult Taros ont été ajoutés, et ce dernier est ajouté depuis le 19 avril 2018. Bon, où est-ce qu'il en est, lui, là? Parce qu'il faudrait... Oh, le coup de queue, encore une fois, c'est génial. On s'écarte... Au moins l'escape de l'insectoglève est sympa. Ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir le tâter. Après, j'ai donné tous mes coups dans le vent, mais bon, au moins... Oh putain, j'allais dire ça m'a permis de l'esquiver si c'est pour me faire reprendre un coup derrière. Putain, mais c'est ouf, hein. J'ai niqué toutes mes maxi-potions, j'ai bu que des potions, c'est dégueulasse. Bon allez, là tu vas crever quand même. Allez. Ah, il n'y a plus la musique. Il va se barrer. Il va se barrer. La zone est redevenue absolument normale, la musique coupée, il s'enfuit. Donc voilà, du coup je vais scinder et on va reprendre comme si rien ne s'était passé devant le boss à la limite de la mort. Ok. Il nous fonce dessus, il nous met tellement mal. Après c'est un bon match, hein. Vous avez raté des trucs les gens, mais là je pense qu'il va pas tarder à crever.
il laisse plein de trucs par terre, on fait monter le niveau de recherche si on n'arrive pas à le buter une nouvelle fois. Et ça m'étonnerait là quand même. Et notre niveau de recherche là, on est censé le buter là. Récupère-moi tes couleurs, toi. Allez. Yes, ça y est, il est au sol. Hop. On va lui mettre sa race et le buter. Allez les gars, tapez, tapez, tapez. Yes. On lui a fait tomber ses cornes. Donc voilà comment on termine un Kul'Taros. Voilà, un Kul'Taros vaincu. Voilà la cinématique. Vous avez après 90 secondes pour pouvoir crafter tout ce qui est tombé au sol, dépecer les cornes. Et là, vous aurez le matériel adéquat pour pouvoir du coup forger des armes et trouver du loot assez sympathique, exclusif au Kul'Taros forcément. Attention, hein, je vous parle d'un stuff quand il est sublime, vraiment bien EP, il a un niveau de rareté maximum. Ça peut monter, voilà, on parle pas d'un niveau de rareté 7, hein, on parle de 8, hein, c'est du 8, vraiment bien classe. Je sais pas s'il y a 9, il me semble, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. 8 c'est sûr. Et là par contre on parle de dégâts, genre moi qui joue la cornemuse en deuxième arme, ma cornemuse la plus haute elle tape à 800, la cornemuse que j'avais réussi à dropper, elle tape à 980 je crois, un truc comme ça, avec bonus paralysie, enfin un truc de malade. Toutes les armes du coup sont à gagner, des 14 classes présentes dans le jeu, et chacune des armes après peuvent être lootées mais avec un élément qui lui est propre, c'est-à-dire qu'en gros moi j'ai l'insectoglaive mais je joue surtout poison. Vous avez pu remarquer que mon insectoglaive était celui du Puke Puke, le monstre qui est spécial poison dans Monster Hunter. Et moi, je chercherais, j'aimerais bien trouver l'insectoglaive du Kul'Taros, option poison. J'ai déjà droppé le haut, le foudre, mais ça ne me plaît pas. J'aimerais avoir celui poison. Et donc là, il faut refarmer la mission, etc. etc. Voilà, je vous ai dit, je jappe. On parle forcément, du coup, de farm. Allez, on va voir ce que j'ai looté. J'espère que j'ai au moins un insectoglaive. Allez, on récupère tout ça. Des diamants à la pelle. On prend. Ranchasseur 38, ça me fait mal de voir que je suis RC38, putain. Ok, maître des afflictions. Forcément. Du coup, on va voir si j'ai réussi à choper un insectoglaive au moins en poison, et on s'arrêtera là, du coup, en espérant du coup que ce gameplay découverte de ce DLC du Kul'Taros sur Monster Hunter World vous aura bien plu. Allons identifier tout ça, et terminons la vidéo là-dessus. Alors, il y en a certaines qui ont l'air pas mal. Ouais, donc on va tout prendre. Allez, Et j'ai pas d'insectoglaive, nique ta mère. Ok, génial. Bon, là, par contre, j'ai chopé l'arme basique du jeu, en rareté 8, assez sympa. Ça aussi, je vais le prendre, je vais vendre le reste. Voilà, j'espère du coup que mon gameplay découvert du DLC vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, tout le monde, et à ciao.